President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est ouverte. We have the floor to kill some points defense. Et nous donnons la parole à la défense de Kyo Sampang qui va poser ses questions à Hong Tong Heng. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à Mesdames et Messieurs de la Chambre, Good morning, à l'ensemble des partis. Your Honours, and et bonjour, Monsieur Hong Tong Heng. Parties. Je m'appelle Amta Gissé et je suis avocat international de Monsieur Kyo Sampang. Je tiens en préalable à vous dire que mes questions ne seront pas très longues. Il s'agit simplement d'avoir quelques précisions sur vos déclarations antérieures et également certains passages de votre livre J'écris au Khmer Rouge. I believed in the Khmer Rouge. Premier point. First point. À l'audience du 7 août dernier, at the hearing of the 7th of August, vous avez indiqué que you stated c'était la première fois dans cette salle d'audience que vous voyez de visu Monsieur Kyo Sampang. Est-ce que vous confirmez? Mr. Kyo Sampang face to face. Do you confirm that? J'étais jeune, je l'ai vu une fois. In a Citroën car with Hu Jun near Wat Langka. I saw him from a distance. Avec Hu Jald. At that time, I was still a young boy, and of course, it's the first time that I have the honor to see him in this courtroom. Mais en fait, c'est la première fois que je vois de près. Dans ce prétoire. Ok. Very well. Pour être clair au niveau des transcripts. To be very clear, as far as the records are concerned. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que vous-même et votre femme n'avez jamais vu Kyo Sampang à Bang Trabek? Had never seen Kyo Sampang at Bang Trabek. Réponse. Let me repeat that my wife and I never saw répéter que mon épouse et moi-même n'avons jamais vu Kyo Sampang en personne à Bang Trabek. Monsieur le Président, avec votre autorisation, Mr. President, que l'on puisse with your leave, montrer à monsieur le témoin son audition E3-97 avec la permission de monsieur le président, donc que monsieur l'huissier puisse lui remettre l'original en français. Et je donne les ERN, la page qui m'intéresse et la page 12 en français. On the page that interests me, page 12 in French, the ERN 00 is as follows, 00 24 24 18 18 89 89 en Khmer, et and je demanderai à ce qu'on puisse afficher cette partie pour le public. 00 27 07 01 01 et en anglais and in English, 00 the ERN is 00 28 2871 09. Si monsieur l'huissier peut remettre la déclaration en français, qui est la langue originale de la déclaration au témoin, j'en lui en serai gré. The French version of his statement, which is the original.
Yes, you may proceed. Court officer, could you deliver the hard copy for the witness examination and have the Khmer version displayed on the screen as well? Et faites afficher à l'écran la version en langue Khmer. Alors, monsieur le témoin, pour que je puisse vous expliquer la façon dont je vais procéder, je vais vous lire deux extraits de cette déclaration à la page 12, donc en français, et ensuite je vais vous poser des questions dessus. And then I'll put questions to you on that. Ce document E3-97 est la déclaration du 22 novembre 2008 que vous avez livré devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. OCIJ investigators. Et je vais donc vous lire une première partie. Elle est surlignée sur votre exemplaire. La partie qui m'intéresse donc est l'avant-dernière question de l'enquêteur et la première partie de votre réponse. Voilà ce que l'enquêteur vous dit. Je voudrais vous montrer un document écrit en français, enregistré par la Cour sous le numéro 001-421-162. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cette déclaration où votre nom apparaît? À ce moment-là, vous lui répondez: je n'ai jamais vu ce document et j'en prends connaissance pour la première fois. J'ai noté quelques erreurs que je vais vous signaler. Donc ça, c'était la première partie que je voulais vous relire pour vous rafraîchir la mémoire. Et j'en viens maintenant à la seconde partie, toujours sur la même page en français. Par contre, en Khmer, le RN est le suivant: 00-27-07-02. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de votre réponse, où vous indiquez: je précise que je tiens à contester ce document que l'on ne m'a fait ni relire ni signer et qui ne reflète que partiellement ce que j'ai dit. J'en viens, monsieur le témoin, maintenant aux questions que je veux vous poser en relation avec cette partie de déclaration. Il ressort que lors de votre rencontre avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, vous avez contesté la teneur d'un document qui vous a été présenté. Ma première question est la suivante: à qui avez-vous donné l'entretien qui a conduit à cette déclaration que l'on vous a présentée? Je n'ai eu aucune discussion avec qui que ce soit. Lorsque j'ai vu ce document, je l'ai lu et j'ai rejeté la teneur du document parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, monsieur le témoin, je voudrais une petite précision sur votre réponse. Vous dites que vous n'avez eu aucune discussion avec qui que ce soit. Est-ce que, avant d'avoir eu cet entretien avec les membres du bureau des co-juges d'instruction, vous avez rencontré d'autres personnes en relation avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui? Réponse. Could the counsel verify your question again? Pourriez-vous mettre whether I recall that I made with the representatives of the question. Est-ce que vous me demandez si j'ai souvenir d'avoir rencontré les représentants du bureau des coprocureurs? En fait, je les ai rencontrés une fois
C'était aux environs de 2007. And the document. Et le document. That I have here, I can consider que as j'ai the, devant moi. A base document for me to refer to or reference. Je peux le considérer comme le document de base ou de référence. Pour que vous soyez parfaitement rassuré, monsieur le témoin, j'ai l'intention de vous montrer la première déclaration que vous avez contestée. J'essaye de procéder de façon pas à pas, lentement, pour que ce soit bien clair pour les transcripts. Donc, vous indiquez que vous avez eu un entretien avec des membres du bureau des coprocureurs, quelque part en 2007. Est-ce que vous vous souvenez où a eu lieu cet entretien? Do you remember where that interview took place? I cannot recall it clearly. Je n'en ai pas à souvenir, mais d'après mes souvenirs, ça s'est déroulé quelque part aux environs du monument de l'indépendance. Est-ce que cet entretien s'est déroulé dans un bureau, en tout cas dans un lieu officiel, ou est-ce que c'était ailleurs, dans un autre endroit? At an official venue or somewhere else? Réponse. D'après mes souvenirs, cet entretien a eu lieu dans un bureau relevant de la cour. Est-ce que le jour de cet entretien, les personnes qui vous ont interrogé vous ont indiqué qu'il donnerait lieu à une déclaration écrite qui serait produite devant la cour? A written statement would be produced at the end of that interview, which would be presented before the chambers. Réponse. Yes, I was informed. Oui, on m'en a informé. Est-ce que, à la suite de cet entretien, ces personnes du bureau des coprocureurs vous ont rappelé pour vous faire relire la déclaration prise ce jour-là? Est-ce que vous avez été en mesure d'apporter les corrections éventuelles? In order to enable you to make any corrections you may have had. I want to refer to this document. Je voudrais me référer à ce document. Read it and je l'ai yes, lu I signed it. Et je l'ai effectivement signé. Excusez-moi, monsieur le témoin, je pense que l'erreur vient de moi. J'aurais peut-être dû procéder autrement. Je vous demande simplement de mettre de côté pour le moment cette déclaration. Je vous ai déjà fait lire les parties qui m'intéressent. La déclaration que vous avez devant vous. Ma question avait trait à un entretien avec les membres du bureau du coprocureur avant cet entretien avec le bureau des co-juges d'instruction. Je ne sais pas si vous faites la différence. Vous avez livré un entretien en 2008 qui est celui que vous avez sous les yeux. Vous avez fait référence une première fois à un premier entretien qui a eu lieu en 2007. Les questions que je pose ont trait à ce premier entretien de 2007. Est-ce que je me fais comprendre? You granted in 2007. Am I making myself well understood? Réponse. The document in my hand. Non, le document que j'ai en main est daté de 2008. I
Je dois vous informer à nouveau du fait que je vais me servir de cet entretien de 2008 comme base de référence pour mon témoignage. J'entends bien, monsieur le témoin, mais ma question précise était de savoir si avant l'entretien qui a donné lieu au document que vous avez actuellement sous les yeux, si vous avez eu un autre entretien avec d'autres personnes avant 2008, c'est ça ma question. Je ne suis pas sûr. Peut-être ai-je rencontré un autre groupe, mais je n'en suis pas sûr. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser cet entretien comme référence. Donc, lorsque j'ai rencontré les représentants de la Chambre, je les ai informés du fait que j'utiliserai cet entretien de 2008 comme document de référence pendant mon témoignage. J'ai bien compris, monsieur le témoin. Ma question n'est pas de savoir quel document vous allez utiliser comme référence. Ma question était de savoir si avant l'entretien qui a donné lieu à ce document que vous avez actuellement sous les yeux, c'est-à-dire le E3/97, si vous avez eu un entretien avec d'autres personnes. Donc, c'est les entretiens antérieurs qui m'intéressent pour le moment. Other interview with other persons before that interview whose statement you have before you? Réponse. I am not sure. Je n'en suis pas sûr. If I did, because every time I returned to Cambodia, parce qu'à chaque fois que je suis revenu au Cambodge, des personnes sont venues me rencontrer. But in a judicial sense, that was mais the first time that I au sens juridique du terme, c'est la première fois que j'ai eu un entretien de cet ordre en 2008, et comme je l'ai dit, à chaque fois que j'arrivais au Cambodge, d'aucuns voulaient me rencontrer. Tout à l'heure, en répondant à une de mes questions, vous avez évoqué une rencontre avec des personnes en 2007. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre? With some people in 2007. Do you recall that meeting? Réponse. I could say I met someone, but I am not certain under what condition. Je pourrais dire que j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne peux pas dire dans quelles conditions j'ai rencontré cette ou cette personne. Regardless of the circumstances in that area, indépendamment in that year, when I provided circonstances qui prévalaient cette année-là, lorsque j'ai donné cet entretien en 2008, on m'a montré ce document. Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin, je souhaiterais que l'on puisse lui présenter maintenant l'annexe 1 à cette déclaration. Annexe 1 to this statement. Et je vais vous donner tout de suite les ERN. And I will give you the ERN. Donc en français, le ERN est le suivant. 001-42-162. Une traduction de ce document existe également en anglais. Also exists in et le ERN est le suivant. 00-23-99-87. Et en Khmer, et je demanderai également à Monsieur le Président l'autorisation de l'afficher à l'écran.
Your leave, Mr. Le 00 17 83 30. Et avec l'assistance de Monsieur l'huissier, je souhaiterais remettre l'original en français, version papier, au témoin. To give the French original of this document to the witness. Court officer, could you deliver the hard copy from the counsel for the witness examination? Le document imprimé au témoin afin qu'il puisse le consulter. Pendant que vous consultez le document, monsieur le témoin, je souhaiterais savoir si ce document que vous avez actuellement sous les yeux est bien le document qui vous a été montré lors de votre entretien avec les enquêteurs des co-juges d'instruction, celui pour lequel vous avez indiqué que vous contestiez le contenu. The document whose contents you challenged. Réponse, oui, je conteste ce document. First, at D2, d'abord, never said a colleague of mine, je n'ai jamais dit qu'un collègue a demandé à se rendre à la coopérative et qu'il n'aurait pas été autorisé à le faire. Mais en ce qui concerne la teneur du document, eh bien, on y lit qu'il fut envoyé à la coopérative et qu'il y est mort. Or, il est toujours en vie aujourd'hui. C'est pour cette raison que je conteste la teneur du document. Il y a un point particulier sur lequel je voudrais revenir au sujet de ce document. C'est le passage que j'ai surligné et qui dit ceci. Yang Sari et Kyo Sampan venaient à Bontrabek pour présider des réunions politiques. Moi, j'ai vu Yang Sari venir vers octobre 1978. Ma femme y a vu Kyo Sampan. Sommes-nous d'accord, monsieur le témoin, que cette partie de cette déclaration ne correspond pas à ce que vous avez dit? Tally with what you stated. This document is really réponse. Ce document not so clear when it comes to its content. N'est vraiment pas très clair du point de vue actually, my du contenu. Made a kiss and porn when she first arrived in the country. Ma femme a vu Sampang lorsqu'elle est arrivée au pays lors de son retour. Alors, c'était peut-être à K15 et donc ceci semble très confus. Et on y lit que j'aurais rencontré Yang Sari en octobre 1978. Alors, je ne comprends vraiment pas la teneur de ce document, et c'est la raison pour laquelle en 2008, lorsque j'ai rencontré les représentants de cette chambre, j'ai contesté la teneur de ce document. Et précisément, monsieur le témoin, peut-être que maintenant mes questions vont être plus claires à votre esprit. L'entretien qui a fait l'objet de cette déclaration dont vous contestez le contenu, est-ce que vous vous en souvenez? Et savez-vous avec qui il s'est déroulé? Réponse. Je n'en ai pas un souvenir clair. C'est la raison pour laquelle je me posais des questions au sujet du contenu du document. Et quoique on y retrouve ces déclarations, elles ne sont pas fondées dans les faits. Et c'est pourquoi en 2008, j'en ai contesté la teneur. Vous dites ne pas avoir de souvenir très clair de ce premier entretien. Est-ce que vous savez cependant
avec quelles personnes vous vous êtes entretenu ce jour-là, et si à tout le moins ces personnes se sont présentées à vous. The persons in question at least meet you. Réponse. I cannot recall who Monique Socorn is. Je me souviens de qui est Monique Socorn. Hingham Kane. En ce qui concerne Hingham Kane, I know this person because he is the person returning from overseas as well. Je connais cette personne parce que c'était une des personnes qui sont revenues de l'étranger. I am perplexed because et je dois dire que ça me laisse perplexe fact, parce qu'il aurait dû être au courant des faits. Des mêmes faits que je connaissais. Comment a-t-il pu dire que cette personne a été envoyée de cadeau à la coopérative et qu'ensuite il est décédé? Parce que ça n'est manifestement pas vrai. C'est pourquoi je ne comprends pas ce document. Et est-ce qu'il est donc juste de dire que vous n'avez jamais eu l'occasion d'apporter de rectifications avant votre entretien avec le bureau des co-juges d'instruction cette fois-ci. Pouvez-vous répéter votre question, maître? Tout à l'heure, je vous ai lu un passage de votre déclaration devant les co-juges d'instruction. Vous contestiez la teneur de ce document. J'ai besoin d'être sûr que, avant d'obtenir ce document de la part des co-juges d'instruction, vous ne l'avez jamais eu en main et vous n'avez jamais eu la possibilité d'apporter des corrections. To make any corrections on the document. Réponse. Yes. Oui. I cannot recall if I was shown this document. Je ne me souviens pas que l'on m'ait montré ce document ou pas, ou comment il a été obtenu, parce qu'il est en contradiction avec ce que j'ai dit. Je vous remercie, monsieur le témoin, de votre éclairage sur ce point. Pour être précis par rapport à la réunion, vous avez indiqué dans le cadre de votre témoignage devant cette chambre, et vous l'avez rappelé encore il y a quelques minutes, votre épouse, elle, a vu monsieur Kyo Sampan, mais a priori à K15. C'est bien ça, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Is that indeed your testimony? Réponse. Yes. Oui. My wife saw Kyo Ma femme a vu Kyo Sampan first arrived in Cambodia. Lors de son retour au Cambodge début 1976. Et si j'ai bien suivi votre déposition devant cette chambre, à cette époque-là, vous n'étiez pas encore rentré au Cambodge. C'est bien ça. Réponse. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. J'en ai terminé, monsieur le témoin, sur cette partie, sur cette déclaration et de 2008 et de 2007. Et pour les transcriptions, je voudrais indiquer à la Chambre que l'intégralité des erreurs relevées dans cette annexe 1 déclaration de 2007, il y a au dossier les procès verbaux de transcription de l'entretien audio avec le témoin sous la cote D141-1.3.
Monsieur le témoin, je voudrais maintenant revenir avec vous sur certains passages de votre livre intitulé « J'ai cru au Khmer Rouge » pour avoir quelques précisions, si vous le voulez bien. Tout d'abord, quelques questions préalables. Si j'ai bien compris la méthodologie que vous avez utilisée pour la rédaction de cet ouvrage, vous avez pris d'une part des notes de votre épouse, d'autre part des notes personnelles, et par ailleurs, vous avez effectué quelques recherches. Est-ce que j'ai bien compris la méthodologie ? Is that so? Is this how you proceeded? But Manhai. Yes, that is correct. C'est exact. En ce qui concerne les recherches que vous avez effectuées, est-ce que vous les avez effectuées dans des ouvrages d'autres auteurs? Est-ce que vous avez livré des entretiens avec certains témoins de l'époque? En gros, quelles ont été vos sources? The sources on which I relied were the documents I have read. Ont été les documents que j'ai lus. And I noted those who were arrested and imprisoned at S21. J'ai pris note du nom de ceux qui avaient été arrêtés et envoyés à S21. Another source was based on what I have read from the testimony of the survivors of the regime. So these were the two main sources on which I relied in writing my book. Voilà mes deux principales sources pour la rédaction de ce livre. Je vous remercie de ces clarifications. Je voudrais en venir plus précisément maintenant à des parties précises de votre ouvrage et toujours avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on puisse soumettre à Monsieur le témoin. Alors évidemment, je n'ai pas copié l'intégralité du livre, mais uniquement les passages que j'entends utiliser. Et le premier passage que je souhaite utiliser de ce livre, dont la cote générale est le D141/1.2. Le premier passage que je souhaite utiliser figure donc dans la version française, page 20 et 21. Donc, tout d'abord, page 20, ERN 00, donc ERN français. 00-28-78-99. ERN en Khmer. 00-83-10-78. Et je n'ai malheureusement pas d'ERN en anglais, parce qu'a priori, il n'existe pas. Donc avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais qu'on affiche l'ERN, enfin la page en Khmer, et que l'on puisse remettre, avec l'aide de M. l'huissier, je suis désolé de le solliciter autant, la partie en français que M. le témoin pourra avoir sous les yeux. En version papier. The paper copy of the French excerpt. You may proceed. Court officer, please obtain the document from the counsel and present it to the witness. Et le remettre au témoin pour que celui-ci puisse le consulter. «
Monsieur le témoin, je pense que vous avez la version française sous les yeux. Donc le passage qui m'intéresse se trouve donc à la fin de la page 20 et se poursuit, pardon, sur la page 21 et se lit comme suit. En 1956, Kyo Sampan succède à Yang Sari à la tête du cercle Marx-Lénine et de l'UEK. L'un de ses compagnons parle de Kyo Sampan comme un militant actif, passionné et discipliné, mais dépourvu de personnalité propre. Il serait un suiveur pour qui la hiérarchie a toujours raison. Monsieur le témoin, je voudrais savoir, pour cette partie de votre ouvrage, quelles ont été vos sources. I obtained the sources from those who had been the Kyo Sampan associates auprès de ceux qui avaient été associés à Kyo Sampan, Leninist and Marxist circle when he was in France. Du cercle marxiste-léniniste quand lui-même était en France. Est-ce que vous pouvez citer des noms, monsieur le témoin, préciser quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez eu cet entretien? I did not consult with anyone. I obtained information from one or two of them. I used to live together with them, so I obtained that information from them. J'ai bien compris, monsieur le témoin, je voudrais savoir de qui vous avez obtenu ces informations, si vous vous rappelez les noms de ces personnes. Do you remember the names of these people? I cannot recall their names. Je ne me souviens pas de leur nom. Et ces entretiens qui vous ont permis d'avoir cette description de Kyo Sampan, est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous les avez eus? Description of Kyo Sampan. Do you remember when they took place? It was sometime in 2002. C'était vers 2002. But at the point, because this article was written at a later date. Ce chapitre because at a that été time, the printing house wanted the executive summary or brief summaries of the content. So I du contenu de l'ouvrage. Send it to them, and before je it was printed in 2003. Cela avant l'impression qui a eu lieu en 2003. Alors justement. En parlant de publication et d'édition, votre ouvrage a été publié en français en 2003 et je crois savoir que il est maintenant disponible en Khmer et que la publication en Khmer date de 2006. Ma question est donc la suivante. Est-ce que c'est vous qui vous êtes chargé de la traduction et de la relecture de l'ouvrage en Khmer, ou est-ce que c'est une autre personne? I translated it myself into Khmer. C'est moi-même qui l'ai traduit en Khmer. J'aurais dû penser
la première fois, et je m'en excuse, Monsieur le Président, surtout Monsieur l'Huissier, je voudrais que l'on puisse remettre la version Khmer à Monsieur le témoin des extraits que j'entends utiliser, parce que, si j'ai bien compris ce que les membres de mon équipe khmérophone m'ont indiqué, il semble qu'il y ait une erreur, en tout cas, il y ait une difficulté entre les deux versions, et je voudrais que l'on puisse clarifier. Est-ce que, avec l'autorisation de Monsieur le Président, on peut mettre la version papier en Khmer au témoin? Yes, you may proceed. Le président. Court officer is instructed to obtain the hard copy document from the counsel and hand it over to the witness. Au témoin. Donc sur la version en Khmer, so now, à la page donc 00 on page 8, enfin l'URN 00831078, il me semble que ce n'est pas le nom de M. Kyo Sampan qui figure, mais le nom de M. Yang Sari. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, indiquer à la Chambre s'il s'agit d'une erreur d'impression? Le président, témoin, witness, please hold on. Prosecutor, you may proceed. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais dans le paragraphe que Maître Guisset a lu, les deux noms apparaissent en français, donc peut-être la question pourrait être reformulée pour savoir à quel endroit exactement elle pense que les deux noms auraient été interchangés. Merci. Monsieur le témoin, je ne sais pas si ça vous dérangerait de lire en khmer ce qui est écrit, mais moi, le passage qui m'intéresse, c'est en 1956, donc ce que je vous ai lu en français, dernier paragraphe, je suis malheureusement mal placé pour vous donner la référence en khmer sur la page, mais en tout cas, c'est en 1956 que Sampan succède à Yang Sari à la tête du cercle Marx-Lénine et de l'UEK. L'un de ses compagnons parle de Kyo Sampan comme un militant actif, passionné et discipliné, mais dépourvu de personnalité. Deprived of a character. Khiam som lok tre. Le témoin. My apology to the defense counsel. I have the Khmer version of the text with me. La version Khmer. And the version I had in French was a bit different. La version française and, the Khmer version est quelque I have peu différente. At hand here is the describes the event when I was Khmer at the factory. Que j'ai ici décrit les événements qui datent de l'époque où j'étais and à as l'usine. For the French version of the document that you gave it to me in French française, here, were my account, remise. My brief account il s'agit of d'un bref the event récit concerning que je fais the Cambodian students living in France at that concernant time. Les étudiants cambodgiens qui vivaient en France à l'époque. Oui, excusez-moi, monsieur yes, le témoin, yes, l'erreur vient de ma part. Je vous ai donné une mauvaise page en Khmer, apparemment. Monsieur l'huissier, encore une fois, désolé. Est-ce que vous pourriez récupérer la bonne page en Khmer que right Khmer page monsieur le témoin so puisse avoir la bonne référence. Court officer, please obtain the hard copy document from the counsel and hand it over to aller chercher le document et le remettre au témoin. Normalement, monsieur le témoin, la partie est surlignée sur
highlighted le document que vous avez maintenant sous les yeux. On the copy before you. Let me respond to this question. Actually, there was a typo error in Khmer because Yeng Sari was used instead of Kyusampan. But when I verified it with the French version, I found that it was a typo error. J'ai vérifié par rapport au français et je vois qu'il s'agit d'une coquille. Très bien, ces informations sont très utiles puisque nous travaillons dans les trois langues de travail et qu'il est important que chacun puisse avoir une bonne version. Donc, Monsieur le Président, pour la version Khmer, sachez qu'il y a une erreur dans la partie du document que je viens de citer. Pour en terminer sur la manière dont vous avez écrit votre livre, est-ce que le premier jet de manuscrits que vous avez fait était en Khmer ou en français? It was in French. And the Khmer version was a translated one, and it was handwritten. Khmer est une and version traduite. Since I did not manuscrit. I was not familiar with types writer, so I actually sent the handwritten document to the printing comme house in Cambodia for publication, and I considered as usual problems that might have happened due to the typing errors. And I consider this as a technical error in printing Je and typing. Je considère qu'il s'agit là d'un problème technique au niveau de la dactylographie et de l'édition. Donc nous sommes d'accord que c'est la version française qui fait foi. The French version is the version we should stand by. Yes, that is correct. Effectivement. Je vous remercie de ces précisions. Thank you for this clarification. Je voudrais maintenant en revenir I would like to return à un autre passage de votre ouvrage. From your book. Il s'agit de la page 77 page en français, in French, ERN français, French ERN 00-28-79-56, ERN en Khmer, Khmer 00-83-1-1-3-4. Et malheureusement, toujours and pas de RN en anglais. There is no English ERN le passage again. Qui m'intéresse pour le moment est un dialogue que vous relatez avoir eu avec un certain Wunrun. Je vous prie de m'excuser pour Please la prononciation. Forgive me for the pronunciation. Et en substance, and basically, voilà ce qu'il vous dit. This is what he tells you. Il vous demande, he is asking you, tu sais qui est le secrétaire Pol Pot? Do you know who, Secretary Pol Réponse, Pot is? And the non. Answer, no. Et il vous indique à nouveau, tells you, c'est Salotsar, it is Salotsar, un génie. A genius. Même les Chinois Even disent qu'il peut être comparé à Mao. Can be compared to Mao. Première question so sur my ce first passage. Question regarding this, excerpt, est-ce que vous pouvez indiquer is, à la Chambre qui était Wunrun? Wunrun is a genius. Wunrun
was a former student from the East Germany, and he is deceased. Qui avait étudié en Allemagne de l'Est, il est décédé. En ce qui concerne les propos qu'il tient sur Pol Pot dans cet échange, il témoigne d'une certaine fascination pour le personnage. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de constater cette même fascination pour Pol Pot auprès d'autres intellectuels durant cette période-là? I am not clear about that, but je ne sais pas as far as I can recall, it was like what I just described earlier. Que je m'en souvienne, les choses étaient telles que je les ai décrites. Alors, je vais peut-être reposer ma question parce que en français, je ne comprends pas bien votre réponse. Did not quite understand your answer in French. Je vous demandais si vous aviez, en dehors de Bunren, rencontré d'autres intellectuels qui ont parlé de Pol Pot avec cette même fascination, ce même intérêt pour le personnage. With the same interest in Pol Pot. I have often heard from friends j'ai souvent entendu who had worked with other Cambodians des amis other than the re-education camps avec d'autres Cambodgiens that we stayed at that ailleurs time que about dans him. Les camps de rééducation où j'ai séjourné à l'époque et il parlait de lui. Quand vous dites que vous avez entendu des amis parler avec d'autres personnes ailleurs que dans le camp de rééducation, est-ce que vous pouvez préciser si c'était entre 75 et 79 ou si c'était ultérieurement? I was referring to the period before 1979. Je faisais référence à la période antérieure à 1979. Je vous remercie. Thank you. À la page suivante, on the following page, en français, donc in French, so ERN 00. 28 79 57 57 en Khmer Khmer Yoren 00 83 11 je crois que c'est 3-4 ou 3-5, je suis désolé, je n'ai plus la bonne référence, mais c'est entre les deux, puisque la partie qui m'intéresse est sur deux pages. Donc, vous poursuivez, vous relatez la suite de votre conversation avec Bunren, et là, vous lui demandez, et que Sampan, que fait-il? Et voilà ce qu'il vous répond. Tu sais, il n'est pas même membre du bureau politique du Parti communiste du Kampuchea. C'est le huitième seulement dans le rang du parti. Quant à Uyun et Unim, n'en parlons pas, ils ne pèsent pas lourd dans l'organisation. Alors, première question sur cette partie, est-ce qu'il s'agit de la reproduction exacte de la conversation que vous avez eue avec cet homme ce jour-là?
But Pekot Man. Yes, it was correct. Effectivement. Est-ce qu'il s'agit d'une conversation and dont vous avez pris note dans les carnets que vous avez évoqués, qui vous ont aidé à rédiger cet ouvrage? This was according to what I could recollect. Il s'agit là des souvenirs que j'ai gardés. Si je comprends bien, so if I understand well, cette conversation ne figure pas sur vos notes, c'est bien ça. This conversation, well, you did not note this conversation among your notes, is that correct? That I am not clear. I am not clear. Je ne but sais I pas can exactement. Still recall that event. Mais je me souviens toujours de cet événement. Et pour information, est-ce que vous avez conservé ces notes qui vous ont aidé à rédiger cet ouvrage? These notes that helped you write your book? I have kept all the notes with me. J'ai conservé toutes mes notes. Et en ce qui concerne Boon Run, now, qui vous parle du bureau politique who is du speaking to PCK, you about, the political est-ce office que of the CPK, vous savez d'où il tirait ces informations? Do you know where he got that information? Dare not ask him. I met him at that time and then we discussed with ourselves and je in that situation. Nous avons discuté. As you may be well aware that et these kinds of bien, business was supposed to be a secret, so the discussion was not made in open. Parler de ce genre de choses, ces choses étaient secrètes et donc la discussion n'a pas eu lieu de manière ouverte. Alors justement, puisque vous abordez la question du secret, vous indiquez secrecy, toujours sur la même page en français, donc, French, ce sont les mêmes références, so, with the same me conformant aux consignes du secret, je me contente the de l'écouter secrecy, sans oser I me montrer trop to curieux. To show too much à l'attention de la Chambre et pour les besoins and, de la transcription, of il me semble que ce passage n'apparaît pas texto dans la version Khmer. Vous évoquez donc, monsieur so le témoin, witness, you are bringing up here les consignes du secret. Est-ce que cela fait partie des consignes qui vous ont été données lorsque vous êtes arrivé au Cambodge? De quelles consignes parlez-vous? I would like to recall the principle of secrecy at that time, and these principles were of paramount importance to the ANCAR. Upon our return to Cambodia during any political trainings Cambodge, as well as self-criticism and criticism, we were always reminded of the importance of keeping things in secret. Il importait de maintenir le secret. For example, as a principle, if we met par with exemple, anyone from outside, si we must not reveal our or disclose any information about ourselves. So that was the strict principle of secrecy. Il y avait donc un strict principe du secret. Je vous remercie. Thank je you. Voudrais maintenant passer à un autre passage de votre ouvrage. I would like us to now look at another passage. In your book. En français, il s'agit de la page 206. French, it is page 206. ERN. And the ERN 00 28 80 85 85. En Khmer. And in Khmer. 00 it is 00 83 83 1 2 4 1 0 2
4-0. Et en anglais, puisque cette English, fois-ci il existe. 0-0-7-8-5-8-6-9. Donc je voudrais qu'on puisse afficher la version Khmer, may I request that the Khmer à l'attention du public. Be put on the screen. Et je vais vous lire un for the public. Premier bout de paragraphe. And I will read page 206 de votre livre, vous évoquez à nouveau les faits de Pol Pot et vous dites cette tribune de l'éducation est une nouvelle émission de la radio du Kampuchea démocratique. Bien qu'il n'ait jamais été précisé que c'est Pol Pot en personne qui parle en direct à la radio tous les jours à 6 heures du matin, on the radio every day at 6 tout le monde le sait. Everyone knows it. Et ceux qui l'ont rencontré le confirment. And those who have met him confirm that. Il y a une semaine, un certain nombre d'entre nous, de formation technique, some of us who have avaient had été choisis technical education pour assister à une conférence were du secrétaire du parti to attend a conference à la salle by the de Chaktung. Secretary at Chaktung Hall. Le but de cette réunion était d'annoncer l'ouverture de l'Institut technique. Was to announce the à cette occasion, opening of the technical ils ont pu le voir pour la première fois occasion, et écouter we son exposé en direct. Time, time, certains to speak ont été impressionnés par sa personnalité et son art de la persuasion. Je m'arrête là pour le moment. Let me stop here. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter directement avec les personnes qui ont assisté à l'exposé de Pol Pot? Peut-être que je devrais au préalable vous poser une autre question. Est-ce que vous avez vous-même assisté à cet exposé de Pol Pot? Attend that presentation by Pol Pot. No, my name was not Master who was elected réponse. To listen to Pol Pot's speech. Non, 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 ne figurait pas. However, my pas dans la liste de ceux qui ont été sélectionnés pour écouter son discours. Mais mon ami, oui, il a dit que Kizan Pol était venu avec d'autres et like the dignitary, et qu'il n'avait pas été accueilli comme un dignitaire ou so those coming from overseas pas réservé de fauteuil pour lui. Donc ceux qui revenaient de l'étranger se posait des questions and parce qu'il était chef de l'État. Alors comment est-ce que ça se faisait que personne n'était venu so de lui souhaiter la bienvenue? People, the donc, participants of the meeting les participants was wondering, and that's how à I la réunion it se in posaient des questions et c'est cela que j'exprime dans ce passage. Alors pour être clair hein, par rapport à votre réponse, now, to make quand sure I properly vous indiquez que your answer, when you state il n'y avait pas de fauteuil qui lui avait été réservé, vous parlez de no Kyo Sampan, c'est bien ça? Been reserved for him. Are you talking of Kyo Sampan? But réponse. Yes, I referred oui to Kyo Sampan. C'est à lui que je fais référence. Je poursuis la lecture de ce paragraphe let et vous allez pouvoir compléter votre réponse. And then you can complete your answer. Donc toujours sur la même page, we are still on the vous dites, page, and this is what you à l'évidence, Kyo Sampan, dont l'influence a pesé lourd dans leurs engagements politiques, n'est qu'un homme de paille, une marionnette dans les mains de Pol Pot. Someone who was like, est-ce des propos qui vous ont été rapportés par les personnes puppet qui ont assisté à ce fameux discours à l'ouverture de l'Institut technique? That was it. Oui, c'est exact. Est-ce que vous vous souvenez de noms
de ces personnes qui vous ont tenu ces propos-là? Do you remember the names of the persons who made those statements? Réponse. No, I cannot recall. Non. Je ne me souviens pas des noms. Mais vous vous souvenez avoir eu cette conversation avec une ou plusieurs personnes? Hearing one or two persons make such an utterance, or having a conversation with one or two persons. But, yes, that is correct. Oui, c'est exact. Et pour être plus précis, c'était avec une seule personne ou and plusieurs personnes? And to be more specific, are you talking of one person or several persons? Réponse. At least there were three or four people. Non, il y avait au moins trois ou quatre personnes. Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Thank et you ceci for answering my la questions. Fin de mon interrogatoire. I have no further questions for you. Président. Thank you. Le président, je vous remercie. Mr. Ong Tong-heung, the hearing of your testimony has come to eh bien, a conclusion. Votre témoignage est arrivé à sa fin et donc vous pouvez regagner votre domicile. The chamber is grateful. Vous êtes libre for your long travel from Belgium vous êtes reconnaissante d'avoir fait le voyage de si loin que la Belgique et d'avoir mis à contribution votre temps valable pour témoigner au cours de ces quelques jours et d'avoir fait de votre mieux pour contribuer à la manifestation de la vérité en l'espèce. Nous vous souhaitons bon voyage. Court officer in coordination with the visa unit, Monsieur please huissier, arrange en accord for avec la the return veuillez, of the witness vous to his residence que, or wherever he wishes to go. Le témoin peut regagner sa résidence selon the chamber would like to inform ses désirs. La chambre we might hear the vous alternate que nous witness allons between Ong Tong Heung and Soon Sik Kun. Peut-être passer au témoin substitut entre Ong Tong Heung et Soon Sik Kun. And we will have another 1 hour and 10 minutes before the recess of the afternoon session. Soon Sik Kun. For that reason, we will hear the witness Soon Sik Kun after we return from the break. Le témoin Song Sikun après la pause. For Song Sikun, en ce qui concerne the Song floor Sikun, will be given to the defense. La parole ira à la défense. And that would be for the Kyesampan's defense. Il s'agit de l'équipe de défense de Kyesampan qui pourra ainsi mener à son terme le temps d'interrogatoire dont il dispose. Recess. Nous allons donc maintenant procéder à une pause de 20 minutes. Nous nous retrouverons à 15 heures. Court officer, when we return, Monsieur could Lissier, you invite Song Sikun, the witness, into the courtroom? Que Monsieur Song Sikun soit invité à prendre place dans le prétoire. Somjian Gangcheng.